Bon, là-dessus, on a marche arrêt. Il faut faire attention. Alors ici, on a la touche mode. Vous avez les deux icônes, l'icône du radiateur, l'icône du robinet. Lorsque j'enlève l'icône du robinet, j'ai enlevé l'eau chaude. Et là, elle ne fonctionne qu'en chauffage. Lorsque je rappuie sur la touche mode, je coupe la fonction chauffage. Et je rappuie une autre fois, j'ai à la fois le chauffage et l'eau chaude. Ici, c'est pour la fonction confort que je vous conseille de la mettre. Ici, vous allez augmenter la température de l'eau dans les radiateurs. Alors, c'est une régulation qui va en complément du thermostat d'ambiance. Là, vous allez gérer la température de l'eau dans les radiateurs. Et ça, ce réglage-là, vous allez le changer en cours de saison. En début de saison, vers le mois d'octobre, mois de novembre, on sera plus sur des températures comprises entre 45 et 50 degrés. Et lorsqu'on arrive dans le dur de l'hiver, on est plutôt aux alentours des 60-65. Et avec cette molette-là, on affine au niveau de la température de l'eau chaude. Je conseille plutôt de la mettre aux alentours de 50 degrés. Ensuite, vous avez une fonction ici, en appuyant sur ESC pendant quelques secondes. Si vous appuyez 5 secondes sur la touche ESC, vous allez déclencher une fonction de purge du réseau automatique.